Bonjour, comment vas-tu? Moi, ça va, super bien. La route est vraiment le moment de méditation vraiment parfait. Mais oui. Il suffit de rouler doucement, tranquillement et d'être très, très zen. Et oui, comme l'autre jour, je t'ai embarqué. Oui, tu es terrible puisque tu as pris la place de Cassie. Elle n'est pas très contente que tu sois à côté de moi. Elle n'est pas très contente que tu sois ma copilote. Mais bon, allez, on va faire avec parce que vraiment, vraiment, je t'adore. Et puis Cassie, elle aime bien aussi rouler en étant sur la table. C'est son petit truc à elle. Comme Cassie et moi avons décidé de faire des petits moments de route. Donc là, on a repris la route pour pas très très loin, pour Portel, une destination que je connais déjà, où j'ai déjà fait une étape en venant, oui, en descendant l'année dernière. Oui, à peu près cette date-là, hein, l'année dernière à cette date-là à peu près. À Portel, c'est une aire qui s'était avérée très 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 chaude, très 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 sympa. Bon là c'est, on va voir. C'est pas le même contexte, on va voir. On sait jamais. Le contexte est différent puisque il fait un peu gris, il fait moins chaud que l'année dernière. C'est pas grave, c'est pas grave. Laissons-nous surprendre. Journal que j'ai créé sur Amazon est toujours disponible. Tu peux le remplir comme tu veux avec des voyages virtuels, avec de vrais voyages. Tu peux t'en servir comme journal intime. Là, je te présente une couverture, mais tu verras sur Amazon, il y a plein, plein d'autres couvertures suivant tes goûts. J'ai créé vraiment des choses qui me plaisent et qui m'inspiraient. Oh, sinon, il y a une autre création qui me tient beaucoup à cœur. C'est le cahier de recettes, plus spécifiquement des plantes, par exemple l'ail, l'ortie, etc., que tu pourras remplir suivant tes envies. Pareil, plusieurs couvertures à ta disposition. Alors, j'ai reçu plusieurs mails de personnes qui me suivent régulièrement pour me demander si c'était pas trop compliqué de reprendre la route, puisque je suis restée plusieurs mois à peu près au même endroit, même si je ne mets pas tout sur YouTube. Non, c'est pas difficile, ça fait partie intégrante de ma vie, tout simplement. Donc j'aime toujours autant. Allez, on regarde. Donc toujours au Portugal, depuis São Marco da Serra, et nous allons à Portel. Alors Portel est une jolie petite ville, il y a un château fort, il y a plein de choses à visiter, c'est pas loin du barrage d'Alqueva. Concrètement parlant, à Portel, il y a tout, hein. Il y a des commerces de toutes sortes, tu peux faire des balades à pied, à vélo, tu peux visiter. Tu peux graviter à droite et à gauche de Portel et revenir vers l'aire du camping-car. Donc là, nous arrivons du côté de Portel. Nous sommes tout près de l'aire de camping-car. C'est la deuxième fois donc que je viens ici. Je reconnais très très bien l'endroit.
Et il y a une chose, donc j'attends de voir si c'est encore aussi chaud bouillant. Comme je t'ai dit, le temps n'est pas super. À droite, là, la caserne des bomberos. Eh oui, avec la statue pour leur rendre hommage. Une très très belle caserne avec un bar où on peut aller partager des moments avec eux. Donc, bah, super sympa, quoi. Hein? Parce qu'en plus, ils sont sympas, ils sont bien faits de leur personne. Et moi, ça, même le monsieur qui n'est pas pompier, il me laisse passer. Pourtant, j'étais prête à m'arrêter. Hein? Allez, on y va. Juste au bout de cette route à gauche, il y a un Intermarché avec une station d'essence. Donc, comme tu vas le voir, c'est pas du tout loin puisque, youpla, voilà l'aire de camping-car gratuite que Portel met à notre disposition. Alors cette aire, elle a les services principaux, poubelle, derrière moi il y a une benne, vidange, eau potable pour les toilettes. C'est un petit parking. Il est absolument parfait si tu veux rester une, deux, trois nuits. Voilà. Moi je trouve qu'il y a l'essentiel. Voilà la benne, donc merci, grand merci à la commune de Portel. Et là, il y a le petit portail qui nous amène chez les Pomberos. Bon, ok, je vais pas y aller, je vais rester sage. Au feu les pompiers! Ah! Bon, allez, je suis raisonnable, je reprends la route, tout de suite. Non, allez, le lendemain, je reprends la route. En direction de... Bah, qu'est-ce que tu m'as prévu? Hein? Quoi? Tu sais pas où on va? Ah non, 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 ça se passe pas comme ça ici, hein. C'est toi, copilote, hein. Cassie, elle est derrière. C'est toi qui as pris la place de Cassie. Ah non, 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 c'est toi qui dois savoir où on va, hein. Parce que sinon, c'est pas super, super top, hein. Alors oui, on va en direction du nord, mais on va où exactement? Ah, tu veux pas me le dire? Ok, pour la prochaine fois. Ciao, ciao.